Ça vous dirait d'avancer? Tu sais où on va? Pour l'instant, on doit se planquer. Avec Arthur, on a un endroit. Et Lucas? Il vous attend dans votre château. On verra plus tard. Alors, on va revoir Lucas? J'espère, oui. Je l'aime bien, Lucas. Il est gentil. Garde ton souffle, Hugo. On est sur la bonne piste. Allez, traînons pas. On n'est pas sortis d'affaires. Au fait, qu'est-ce que vous foutez avec l'Inquisition aux fesses? Il a quoi de spécial, le petit? C'est... compliqué. Et ton frère? Ça va aller? Il nous rattrapera. Il nous a vraiment sauvé la vie. C'était incroyable. Hé, hey, tombe pas amoureuse, t'as compris? Ou il brisera ton petit cœur. Quoi? Mais non! Si l'Inquisition se pointe, vous vous débrouillerez tout seul. Hé, un moulin? Ouais. On va traverser par là. Waouh! Oh, c'est quoi ces oiseaux? Des canards. Oh, comme ceux qu'on mange? Oui. Et les canards mangent des grenouilles. C'est la vie, Hugo. Ça va? Je vous dérange pas? Allez, viens. Mieux vaut ne pas rester là. Il est toujours... comme ça? Il n'a pas beaucoup vu le monde. C'est pas le meilleur moment pour commencer. Le premier au moulin a gagné! Hé, moins vite! C'est fermé. Laisse-moi faire. C'est ouvert. Elle est géante, cette roue. C'est pour écraser le blé. Oh, le courant est trop fort. Comment on va faire pour passer? On doit arrêter la roue. Et comment on va l'arrêter? Hugo, tu veux bien t'en occuper? Y aller, la roue tourne encore. Le courant diminue. Te laisse faire, Hugo. Ça marche. Ouais. Allez, y a plus qu'à traverser.
toi, Amélie. Attends. Hugo, j'ai besoin de toi. Viens. Non, arrête-toi. Ouais. C'est bon, arrête. Hugo, tu veux bien t'en occuper ? Oui. D'accord. Vas-y, Hugo. Viens. Et voilà. Tu vois, c'était pas dur. On a battu le moulin. Si jamais l'Inquisition arrive jusqu'ici, ce truc-là les ralentira, sûr. Mal. Pas mal du tout. On va passer par là. Allez. T'essayes de m'impressionner ou quoi? Hein? Non. Bon, allez, venez. C'est joli ici. Ça sent la terre. L'aqueduc. Lucas est là-bas? J'espère. Il va pas avoir fière allure, votre château. Pourquoi? Il y avait un village ici. Il a été rasé en une nuit, il y a bien longtemps. On dit que le coin est maudit depuis. Oh, Micia. Elle plaisante, Hugo. Bien sûr que je plaisante. Depuis quand je dis des trucs vrais? Des gens habitaient ici? Oui. Mais ils sont partis. Où ça? Ailleurs. Un peu comme nous? Oui. Un peu comme nous. Oh! Tu sais ce que c'est? Une aubépine, je crois. Personne l'aime à cause des épines, mais elle est bonne pour le cœur. Tu en sais des choses. Maman m'a appris. Alors, tu m'apprendras? Et toi, tu m'apprendras à utiliser une fronde? Marché conclu. Qu'est-ce que vous fichiez? Juste un détour. Amicia. Hugo, qu'est-ce que tu fais? Viens. Oh. Oh, qu'est-ce qu'il a? On est presque arrivé. Hugo? Hugo, regarde-moi. Ça recommence? C'est ta tête, c'est ça? Ça fait comme une chose qui grossit dedans. Mes jambes, elles tremblent. Me dis pas qu'il a été mordu. C'est pas la morsure, c'est quelque chose dans son sang depuis qu'il est petit.
Je vais le porter. Grimpe sur mon dos si tu peux. Allez. Pardon. Ne t'inquiète pas. Si c'est dans son sang. Toi, t'as rien ? Non. Mais Lucas essaie de freiner son mal. C'est aussi pour ça qu'on va au château. Amicia. J'ai peur. De quoi, Hugo ? De ce qu'il y a dans ma tête. T'en fais pas. Ça arrive aussi aux grands, ça. On y est. Tu vas te reposer. Enfin. Aide-moi à soulever ça. J'arrive. Hugo, descends, s'il te plaît. Ah, c'est ça ta maison ? C'est une planque, bonhomme. C'est fait pour se planquer, pas pour recevoir des gens de la haute. Touche pas ! C'est à mon frère. Ça vaut cher, très cher. Ça fait longtemps que vous vivez comme ça ? Comme des gibiers de potence, tu veux dire ? C'est comme ça chez nous. Notre père, il nous battait tout le temps. Et puis un jour, c'était la fois de trop, alors on a détalé. Mais toi, t'es noble, tu connais pas tout noble ça ? Noble ? Amicia ! Ça veut dire quoi, ça ? J'ai froid. Noble ? Regarde-nous bien ! On n'a plus rien, Mélie. Tu te fous de moi ? Qui c'est qui va nous payer, alors ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Ton copain, Lucas. Il a dit que vous étiez riche. Mais... C'est bon, oublie ça. Bon, prenez la paillasse d'Arthur. Quand il reviendra, on aura une petite discussion. Alors, tu vois quelque chose ? Non, c'était rien. Hé, les gars ! Par ici, venez m'aider ! Où ça va ? Ça va dehors. Oui, mais dehors où ? Fais-moi confiance. Et ton frère ? Il aurait déjà dû être là. Désolée. L'enterre pas trop vite. Merde, restez baissés. Il a un casque. Oh ! Des ventis. Des Vorantis. Salpêtre et alcool. Ça brûle la gueule et ça ronge l'acier. Personne peut garder un casque sur la tête avec ça. Prépare-moi ça. D'accord. Vas-y. Vise le casque. Défonce-lui la tête avec une pierre! Allez! Bien fait pour sa trogne. Ça fait du bruit. Dis donc, t'es pas un peu rabat-joie, toi? De moi, j'hésiterai pas. Tu sais où sont les pierres aiguisées ? Dans une des caisses. C'est un bordel sans nom là-dedans. Merde, regarde. Il y en a un avec un casque. Tu sais quoi faire ? Oui.
piste. Bon. C'était quoi ? Où est le responsable ? Hein ? T'es où ? Hé ! Qu'est-ce que tu fais là ? Fier de toi, meurtrier. Efficace. J'aime ça. S'il y en a deux, c'est qu'il y en a d'autres. On doit sortir de là. Faut retrouver la Queue-Duc. Je sais. Où est le château d'Ombrage ? Par là. Suivez-moi. Vous voyez la R s'éclairer là-bas. C'est par là qu'on sort. Bon, Amicia, tu as la fronde. Tu passes devant. Hugo, tu surveilles la zone. Et pas un bruit, d'accord ? Entendu. Il me cherche encore.
fait quoi, là? Il fait quoi par terre, ta beauté? Y a rien. Faut que je me calme. Allez, debout! Debout! On a un de nos gars au sol, ici. Faites gaffe! Je vais voir par là. Laissez tomber! On les reverra pas de sitôt. Ah, mais tu y étais, toi. Il paraît que les gamins ont foutu un sacré bordel chez les Anglais. J'avais vu une explosion pareille. J'en ai encore les oreilles qui sifflent. On a pris le coupable. Le jeune voleur qui aidait les Anglais. Il est au bastion pour interrogatoire. Il a de la chance. S'il n'avait pas des informations sur le petit, je suis sûr qu'on l'aurait taillé en pièces. Si on n'avait pas dû gérer les dégâts chez les Anglais, on les aurait déjà pris. Nicolas va être furieux. Et Vitalis, le capitaine de la garde fait peur, c'est sûr. Mais le vieux, crois-moi, quand il a pas ce qu'il veut, il a le bûcher facile. Dis donc, petit, tu dois vraiment être spécial pour qu'ils te cherchent tous comme ça. C'est pas ma faute. Et il est humble avec ça. J'y vais. Prends garde à toi. Rien par ici. Bien. Reviens à ton poste.
Alors, toujours rien? Non, c'est juste des gamins. On parlait qu'ils se tairent dans un four quelque part. Ça fait beaucoup d'hommes pour juste des gamins. Et le grand inquisiteur n'a pas l'air de ménager beaucoup le seigneur Nicolas. Nicolas a du pire. On n'appelle pas le moine écarlate pour lui. J'ai entendu quelque chose par là. On y est presque. La R s'est fermée. Il y a toujours une porte plus discrète. Ne restons pas là. Allez. Je vous en prie. Trop aimable, Votre Altesse. Allez, avance. Qu'est-ce que vous allez me faire? Attention, c'est Lucas. Le Dévorantis, il t'en reste? Oui. Alors vas-y, fais sauter son casque. Lucas! Je suis tellement contente de vous revoir. Tu as l'air en forme. Oui, j'étais dans une cage et puis on a fait une énorme explosion. Ça a fait boum et on est allé chez Millie. Elle dit tout le temps plein de gros mots. Hey, je t'entends. Et toi, Lucas? Ça va? Hey, ça vous dit de faire ça en courant? Ou alors on reste là, on sort le vin, les poulardes et on attend de se faire tuer? Vous en pensez quoi? C'est vrai. Allons-y. Le château doit être tout proche. En route. Venez, l'aqueduc continue par là. Ça n'a pas été facile de votre côté, on dirait. Tu crois?
Oh non, t'avais juste oublié de nous parler de l'Inquisition. Vous n'auriez pas accepté le marché. Et t'avais pas dit qu'ils étaient riches aussi? On va s'arranger. Va dire ça à mon frère. Je ne peux pas suivre Amicia. Qu'est-ce que c'est? Un accident? C'est un chariot de l'Inquisition. Les rats. Il doit y avoir des choses à prendre là-dedans. Oh, Amicia! Ça n'a pas été facile de votre côté, on dirait. Tu crois? Oh non! T'avais juste oublié de nous parler de l'Inquisition? Vous n'auriez pas accepté le marché. Et t'avais pas dit qu'ils étaient riches aussi? On va s'arranger. Va dire ça à mon frère. Qu'est-ce que c'est? Un accident? C'est un chariot de l'Inquisition. Les rats. Il doit y avoir des choses à prendre là-dedans. Je vois pas comment on va pouvoir passer. Oh, Amicia, j'ai quelque chose pour toi. C'est un dérivé de l'unifère. Luminosa. Tu l'envoies au milieu des rats et... Enfin, tu verras ça par toi-même. Tiens, prends. Salpêtre, alcool et cuir. Mélange-les. Merci. Lance-le sur les rats. Boum ! Luminosa. Ah, ça pique les yeux. Lucas, le chariot est plein de matériel alchimique. Oui, c'est logique. L'Inquisition n'aurait pas pu remonter jusqu'à la Macula sans l'aide de textes alchimiques. Ça va me simplifier la vie. L'aqueduc, on arrive. Enfin. On va enfin savoir. On va monter sur l'aqueduc. Hugo, on dit aqueduc. Ah, aqueduc. Aqueduc. Mélie, où est ton frère? J'ai pas envie de parler de ça. D'accord. T'as l'œil. Vas-y, monte. D'accord. Quoi? C'est tout? Y a rien ici. Lucas, ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour rien. Non. Laurentius était plus malin que ça. C'est un tour d'alchimiste. L'or naît du plomb. La porte ne se révèle qu'à celui qui a trouvé la clé. Quelque chose comme ça. Moi, je préfère... Utilise tes yeux au lieu de parler. Qui passe en premier? Bien vu. Amicia? Allez, c'est plus le moment de reculer. Bien parlé. Oh. Eh ben. Est-ce que c'est la mer? Des gens utilisaient ce lieu. On est sur la bonne voie.
J'avais jamais entendu parler de cet endroit. Et le château, il est où? Ça, pour le savoir, il va déjà falloir traverser. Bravo. Un bac à trail. Un quoi? C'est une barque tractée par une corde que l'on tire à la main. Il y a une manivelle. Un coup de main? Ouais. Cet endroit est incroyable. Ouais, c'est pas mal. Dommage qu'on n'ait pas de vin ni de fromage. Ça aurait été une très bonne idée, oui. Ça tiendra pas tout seul. Traversez avec Hugo. On vous rejoindra. Tu es sûr? Ouais. Il y a de la place que pour deux. Mélie, tu peux t'en charger? Lucas! Viens faire ta part au lieu de roupiller! Oui. L'eau est toute verte. C'est parce que plein de choses vivent dedans. Elles doivent avoir froid alors. Tu sais, il y a longtemps, Mère m'avait emmenée au lac de Tourve. J'avais glissé dans l'eau. Et elle était tellement froide que j'en avais pleuré. C'est pas grave de pleurer pour ça. La barque n'attend que vous. J'y vais? Oui, vas-y, monte. J'espère qu'ils savent nager. Accrochez-vous. C'est parti. Wow. Je vois pas de poisson. Oh, ça c'est à cause du monstre. Hein? Un monstre? Bien sûr. Les lacs souterrains sont magiques. Des monstres très vieux et très gros vivent dans le fond de l'eau. D'ailleurs, attention, ils ont aussi très faim. C'est pas vrai. S'il y avait un monstre, on verrait des grosses bulles. Tu as raison. Maman, elle disait que les monstres, c'est des choses... Des choses qui... Des choses auxquelles on n'a jamais donné de nom. Elle m'avait dit ça aussi. Moi, j'aimerais bien voir un monstre. Allez, on débarque. Oh, c'était trop court. C'est vrai, mais chacun son tour. Pas de monstre ici, mais il y a peut-être une baleine. C'est gros, une baleine, tu sais. Oui, mais une petite baleine. Pourquoi pas? Une baleine timide qui ne veut pas se montrer. Elle est timide parce qu'elle est petite, mais je suis sûre qu'elle est jolie. À votre tour! On arrive! C'est bon. Vous pouvez lâcher. Ça va? Oui, oui. Ça va. Pas trop lourd. Je suis désolée de t'avoir menti. Amicia Hugo allait peut-être mourir et... j'avais peur. Je... T'en fais pas. On n'en parle plus. Mais tout ce qui me plaira au château, c'est à moi. Entendu. Vous parlez de quoi? De trucs de grand. Allez, on continue. Fermé. Pas pour longtemps. Écartez-vous. Ouvert. Oh, et voilà, ça recommence. Ils m'avaient pas manqué, eux. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est... Non, pas possible. Je dois voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'il a? Ce brasier suspendu glisse le long de la tranchée. Lucas!
Celui-là, dans l'autre sens. C'est un système de défense. Comme un château? Comme un piège à rat, qui protège quelque chose. D'accord. Et comment ça marche? C'est simple. Les brasiers repoussent les rats dans la fosse et ils y restent. Alors profitons-en. Qui a construit ça? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air récent du tout. Viens, Lucas. On regarde. Bien, Mélie. Pendant que les hommes rêvent, il faut qu'on avance. Qui a construit ça? C'était... peut-être des chevaliers. Je doute que des chevaliers manient la pierre et le mortier. Mais des artisans, oui. Et ils étaient nombreux. Lucas, le château, il a été construit il y a longtemps. Mais les rats, ils sont pas là depuis longtemps. Très juste. Et ça, ça me donne la chair de poule. Allez, à la fosse! Je dois passer de l'autre côté. Bon, allez, venez. Ouais. Tu crois qu'on peut faire tomber ça? Bien vu. Bien, je m'occupe de la porte. Il n'y a pas à dire, c'est efficace leur système. Parfait. Allons-y. Je passe devant. Encore une porte? C'est peut-être la bonne. Je demande juste qu'il n'y ait pas de rat derrière.